Namtukuza Mungu. Moi je croyais que nous sommes en train de chanter, bon, c'est ça notre soulagement, mais moi j'ai vu que c'est un travail de déconfesser. Mie milikuwa nawazia kusema wakati tulikuwa tuko naimba, ni paka vile tunaka tuko naimba kila mara. Lakini ilikuwa kazi ya Mungu. Quand on chante, wakati mnaanza kuimba, sababu kwa etone, nilishituka, j'ai vu des mains. Niliona mikono enchaîné. Yenye kufungiwa na minyororo. Quand on a dansé à chanter là. Wakati tunaanza kucheza na kuimba. J'ai vu que les chaînes étaient brisées. Niliona maminyororo iko navunjika. Quand les chaînes étaient brisées. Quand les chaînes étaient brisées. Wakati minyororo ilikatika. L'ennemi a voulu encore rejoindre les mains et encore les enchaîner. Adui alikuwa anataka abebe tena mikono airudishe kuile minyororo. Il a essayé. Anapima. Il a essayé. Alipima tena. J'étais en train de regarder. Nilikuwa niko natazama. Ce qui s'est passé. Ile ilikuwa inafanyika. Il a essayé mais en vain. Alipima lakini mubure. Il est fatigué, il est parti. Anachoka anenda. J'ai donné gloire à Dieu. Nasema utukufu kwa Mungu. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Écoutez, vous n'êtes pas n'importe qui. Mwaye amuna bantu wowote. Vous êtes la remède de Dieu vivant. Mwaye ni jeshi ya Mungu aliye hai. Quand vous parlez. Kama mwamu nasema. Le monde tremble. Ulimwengu unatengezeka. Les ténèbres ne conçoivent pas. Giza itamifuata. C'est pour cela que je vous dis que j'avais même l'ambition de danser mais ça ne me permet pas. Ni vile mimi niambia nilikuwa na kiu ya kucheza lakini abiniruhusu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. On me parle encore de quelqu'un. Balianza kunisemezea tu ya mtu moya. Qui a des fiancés, quelqu'un a des fiancés. Kuko mtu moya eko na wachumba. Alors, il commence à me demander. Anaanza kuuliza. Mais parle-moi, quel est mon choix ici? Sasa papa, ni nani yule mimi nitachagula kuyo wangu? Je suis troublé. Mimi nafurukiwa. Donc la sœur est acquise avec des fiancés. Dada ule eko na bachumba. Tu viendras me voir. Utakuwa kumuona prophète yeye eko nasema. Ni mtari hapa. Aya, utawa kuniona. Wewe kwende tu muone mtafuti. Mimi nipendela kutabiri sasa hivi ni prédication sitatabiri tena. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous nous levons quand nous lisons Corinthiens chapitre 1 19 à 25. Tuko bwima tunasoma barua ya Paulo mtume kwa Wakorintho sura yake ya kwanza. Oui. Amen. Amen. Le juif et folie pour le païen. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Peuple de Dieu, nous avons un grand thème. Taifa la Mungu tuko na shina kubwa. Qui nous dit réconciliation. Folie ou sagesse? Ili kunasema upatanishi ni upumbafu au ni hekima. Donc ici y a deux termes, la folie et la sagesse. Hapa nasema mambo ya upumbafu au hekima. Mais nous descendons encore trop bas pour entrer dans le sous-thème qui dit la force de réconcilier. Na tunashuka chini tunasema nguvu ama uwezo wa upatanishi. Voilà, donc dans la réconciliation. Ndani ya upatanishi. Est-ce qu'il y a une force? Eti muna nguvu. S'il y a une force, c'est la sagesse. Kama muko nguvu na hekima. S'il n'y a pas la force, ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent, ils trouvent à nous la folie. Kama amuna nguvu na uwezo, bale beko na tutazama, beko naona ni basimu. Je vais parler beaucoup de la folie. Tutasemea zaidi sababu ya upumbafu. Écoutez, nous sommes dans deux camps différents. Tuko katika makambi tofauti. Il y a ceux qui sont dans la folie et d'autres dans la sagesse. Kuko wale weko katika maneno ya upumbafu na wale weko maneno ya hekima. Quand on nous dit la réconciliation,
folie ou sagesse. Wakati tunasoma upatanishi upumbafu au hekima, c'est une folie ni upumbafu, oh, aussi une sagesse. Na tena inakuwa hekima. Nous pouvons dire oui, c'est une folie. Tutasema ndio ni upumbafu. Oui, c'est une sagesse. Ndio ni hekima. Pour nous, kwetu sisi, ce n'est pas une folie. Aina upumbafu. C'est une sagesse. Ni hekima. Mais les gens qui nous regardent de dehors, lakini batu bale bainche peko na tutazama, ils voient en nous la folie. Banaona ndani mwetu upumbafu. C'est pour cela que venir dans l'église ici. Ni vile kuya mukanisa humu. Il trouve mon frère Yav avec une toge comme ça. Anamukuta nduku Yav asha kuvala ile nkanju. Il s'est dit, mais un homme avec une robe. Asima angaria ule baba, anavala tu ile nkanzu. Mais il raisonne comment? Eko na waza namna kani? Pour lui c'est une folie. Kwake yeye ni bumbumba. Mais pour nous c'est la gloire. Lakini kwetu chien ni utukufu. Lui, nous le trouvons avec une toge comme ça en train de chanter pour Dieu. Kama tunachikuta na mankanzu hivi tuko na muimbia Mungu. Ça nous arrange. Il est inatuelekea. Vous voyez la sagesse de Dieu, la grande. Njio ekima ya Mungu na bukubwa kwa Mungu. Dieu qui nous a transformés. Mungu anatubadilisha. Écoutez, peuple de Dieu. Sikieni taifa la Mungu. Nous, quand nous regardons le monde qui se passe aujourd'hui, kama tunaona maneno iko napitikana leo, nous trouvons beaucoup de la folie. Tuko naona ubazimu ya mingi. Il suffit que tu te déplaces pour aller dans des contrées ou dans des avenues, vous allez trouver la folie. Inakupiti tu weye isa utoke wende uone mbile biko napitikana mbalabala. Utaona ni bazimu. C'est cette folie qui nous trouble. Ni ile bazimu inatuvuruka. Quand nous regardons comment vit le monde, kama tunatazama vile ulimwengu naishi, le monde est dans la folie. Ulimwengu iko katika upumbafu. Et moi il y a des fois quand je regarde l'habitude ou bien la morale que nous apportons à nos enfants. Na kuna ma wakati ya mingi kama mimi naangalia maadhibisho tu unapatia batoto. Nous leur enseignons la politesse. Tunabadibisha kwa na adabu. Quand nos enfants vont se trouver sur la rue, wakati batoto yetu banajikuta mbalabala, ils ne vont pas trouver la politesse. Abatenda kutikuta kule adabu. Nous allons leur enseigner les bonnes œuvres à faire. Tulibafundisha matendo mema. Mais quand ils vont à l'école, lakini kama nenda kushule, ils ne vont pas trouver les valeurs. Abatakuta kule matendo mema. Ils vont trouver les antivaleurs. Batakuta kule uharibifu na udanganyifu. Ils seront dans des difficultés. Batakuwa katika magumu. C'est pour cela que vous verrez que ni vile mutaona nos enfants ne travailleront pas. Batoto yote batumike. Puisqu'ils seront habités devant un monde corrompu. Maana batajikuta mbele ya ulimwengu yenye kuharibika. Nous disons nos enfants ne volent pas. Tunaambia batoto yetu musiibe. Ne fume pas. Apana kufuta. Ne t'enivre pas. Apana kulevika. Mais quand ils seront exposés dans la société, lakini wakati batajikuta ndani ya ulimwengu, ça sera le contraire. Itakuwa kinyume. Nous avons la difficulté de vivre. Tunakuya na matatizo ya kuishi. Si ça dépendait que de nous, kama ile ilituelekea sisi, on allait dire au Seigneur, donne-nous notre terre. Tulipungemwambia Bwana, ututafutie inchi ingine. Puisque dans ce monde-ci, maana ndani ya hiyo inchi, c'est difficile. Ni kigumu. Même nous, les parents, nous avons des difficultés. Ata sisi wazazi, tuko na matatizo. Quand nous marchons, nous trouvons devant les voyous. Kama tunatembea, tunakutana na batu wabana na heshima. Ils ne savent pas nous respecter. Abajue kutupatia adabu. Est-ce qu'il faut se battre? Kama mangafuta tukombane. Est-ce qu'il faut se battre contre eux? Eti tunabidi tupigane nao. Est-ce qu'il faut s'injurier? Eti inabidi tuanze kutukana nao. Nous vivons le pire. Tuko naishi atari. C'est la folie du monde. Iyo ni upumbafu wa ulimwengu. Écoutez, peuple de Dieu. Sikieni taifa la Mungu. Dans la Bible, si nous allons expliquer. Ndani ya Biblia humu tulifasiria. Une folie qui s'est trouvée sur la terre. Upumbafu ambao ulichukuta pa dunia. Cette folie, c'est qui fait que nous ne savons pas comment et nous ne savons pas sur quel pied danser. Na, hiyo upumbafu nini inafanya kusema atujue tuishi namna gani? Pour le monde. Kwa ulimwengu. S'enivrer. Kulevika. Fumer du chanvre. Kuvuta tumbako. C'est la sagesse. Ile ni hekima. Quand vous trouvez le groupe de jeunes. Kama unakuta kikundi cha vijana. Ils se disent même. Banajisemezea. Tu n'as pas, toi depuis que tu es là, tu n'as même pas quelqu'un, une fille, un garçon ne peut pas vivre comme ça. Weye na hii miaka unafikisha hauna pata na rafiki mwanamke utaishi je? Mais nous avons nous le disons ne faites pas ça c'est du péché. Na chez tunayo asema tu es kufanya hiyo ni dhambi. Inukite mena pour
pour aller ailleurs, nous avons des difficultés, nous ne savons pas vivre. C'est pour cela que vous retrouverez toujours timide. Vous vous demandez, mais cet enfant est comment? Parce qu'il habite à un problème. Quand il voit les histoires se passer là-bas, quand il va rentrer dans la maison, il vit autre chose. Wakati alikuwa kumasomo au fasi ingine anaishi maneno ingine akiruti nyumbani anaishi bingine. Ecoute, nous lisons de Samuel. Sikieni tunasoma Samuel wa pili 18 18 the witness 8 paka 9. Nous allons découvrir avec moi tuta le combat de Samuel 18. Nous commençons au verset 8. Le combat s'étendit sur toute la contrée et la forêt dévora plus des peuples ce jour-là, quelle épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un millet. Le millet pénétra sous les branches entrélacées d'un grand térébenthe. Et la tête d'Absalom fut prise au térébenthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Et le millet qui était sous lui passa outre. Amen. Amen. C'est une chose que nous connaissons, c'est le combat entre David et son fils Absalom. Absalom s'est opposé contre son père. Écoutez, la vie qu'on nous raconte ici, c'est la folie de la terre. Et pourtant, nous ne sommes pas de la folie, non. Nous sommes de la sagesse. Paul dit, si quelqu'un entre dans la maison de Dieu et qu'il trouve des gens en train de prophétiser, de parler en langue, les gens diront qu'ils sont ivres. Et même ce jour-là, quand Pierre est sorti pour annoncer et la parole de Dieu, ils ont dit qu'ils sont ivres, ils se sont parlé en langue. Ni kama ile siku Petro alitoka anaanza kuhubiri balisema analevika sababu alikuwa anasema muluga. Ils vont trouver nous une folie. Banakuta ndani mwake upumbafu. En train de parler je compte mais vous se demandez ils vont compter quoi? Ni pale eko nasema je compte banasema eko na compter bintu kani? Écoutez, pour le monde c'est une folie. Kwa ulimwengu ni bazimu. Alors Paul dit, na Paul anasema, si quelqu'un entre, kama mtu anaingia, et qu'on puisse lui donner des paroles, na banaweza kumpatia misemo, des révélations, maufunuo, la personne va s'étonner. Ule mtu atashanga. Il va dire qui lui a dit toutes ces choses ici. Atasema ni nani alimwambia hii mambo yote. Il va s'étonner. Atashtuka. Voilà le peuple de Dieu. Ndio kwa maana sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Hekima ya Mungu. Elle n'est pas comprise par n'importe qui. Aielewe na kubebewa na mtu yoyote. Ne cherche pas à persuader tout le monde pour dire qu'il puisse comprendre la parole de Dieu. Non. Hapana kutafuta mtu wote aelewe neno la Mungu. Hapana, ikupewa na watu wote. Nous aussi nous étions païens. Na sisi tulikuwa wapagano. Quand Dieu nous a choisi. Lakini wakati Mungu alituchagua. Nous a établi. Alitutia. Nous avons compris. Na tunaelewa. Bien fondé de l'appel de Dieu. Maneno mazuri ya mpango wa Mungu. Ce que nous voyons pour nous autrefois comme la folie, aujourd'hui c'est une sagesse. Ile tulianza kuona zamani mbele yetu kama upumbafu, leo ni hekima. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Ni nini napitikana pa dunia? Quand nous avons lu ce passage ici, wakati tulisoma hiyo shairi, on nous parle d'Absalom. Beko nakusemeza juu Absalom. Nous commençons à les détailler. Banaanza kumtetea. La Bible déclare. Biblia inasema. Absalom fils de David. Absalom ni mwana Daudi. Était beau de visage. Alikuwa mzuri na urembo kwa uso. Beau de visage. Alikuwa mwenye urembo kwa uso. Il était un garçon. Alikuwa kijana. Donc la beauté. Alikuwa na urembo. C'est ce que nous voyons. Ni ile tunaona. Mais au dedans de nous. Lakini ndani yake. On ne peut pas parler de la beauté, mais nous parlons de la bonté. Atuwezi kusema sababu ya urembo, lakini tu unasema sababu ya wema. La beauté physique. Wema wa kuonekanika, mais la bonté est spirituelle. Lakini wema uko wa kiroho. Et au dedans de nous. Na ndani yetu. La Bible déclare. Biblia inasema. Il était beau. Alikuwa mrembo. Mais qu'il n'était pas bon. Lakini asikuwa mwema. Ici la Bible s'est limitée à la beauté seulement. Apa macho inafikia ni pa urembo tu. Alors, comment ça nous détailler comment était Absalom?
On nous dit qu'Absalom avait des longs cheveux. Il avait des longs cheveux qui traînaient même par terre. Alors, cela signifie que nous voyons, nous commençons à signifier les cheveux. Donc les cheveux, c'est l'intelligence. Noël ni akili. C'est la sagesse. Ni ekima. Paul parle quand il a vu Jésus lorsqu'il était dans l'île de Patmos, il a dit j'ai vu un vieillard. Na hata kama vile Paulo alikuwa pa kisanga cha Patmos anasema niliona mzee. Il nous a pas dit comment étaient les cheveux, comment était la longueur de ces cheveux là. Asikutuambia namna kani nywele yake ilikuwa na urefu wa nywele. Mais seulement il a dit que celui qui l'a vu avait des cheveux comparables à des cotons. Na anatuambia tu asema ule aliona nywele yake ilikuwa yenye kufanana na coton. C'était blanc. Ilikuwa mweupe. Nous comparons la chevelure de Jésus avec la chevelure d'Absalom. La chevelure de Jésus était blanche. Kama tunalinganisha nywele ya Yesu na nywele ya Absaloni, nywele ya Yesu ilikuwa mweupe. C'est-à-dire rempli de la sagesse. Ni kusema yenye kuchana hekima. De l'intelligence. Yenye kuchana elimu. La sagesse vient de Dieu. Hekima inatoka kwa Mungu. Tandis que le monde ici ne nous donne pas l'intelligence. Lakini ulimwengu hii haitatupatia elimu. Les gens qui se conforment à ce monde ici, ils ont une intelligence qui n'est pas la nôtre. Bantu bale beko nafananishwa na hiyo ulimwengu, beko na hekima na elimu aina ya kwetu. Écoute, cela signifie quand Absalom marchait. Ni ile inamaanisha wakati Absalom alitembea. Sa chevelure la balayer la terre. Ile nywele yake ilikuwa iko na fiatia. C'était de longs cheveux. Maana ilikuwa mrefu. Il avait tous les caractères du monde ici. Alikuwa na maali yote ya hiyo dunia. Puisque il était rempli de charme. Maana alikuwa mwenye kuchazwa na ule kuonekanika kwa uzuri. C'est cette folie du monde là où nous entrons. Ni ile upumbafu wa ulimwengu tunaingiaka. Quand on marche. Wakati unatembea. Quand il marchait. Wakati anaanza kutembea. Il prenait sa chevelure sur la terre. Nywele yake ilikuwa iko na kokoto pa udongo. La chevelure balayée. Na ile nywele ilikuwa iko na fiatia. Elle ne laisse pas le caractère du monde. Na hiyo ni alama ya ulimwengu. C'est pour cela que vous verrez que aujourd'hui nous avons des difficultés à réintégrer encore, à communiquer la foi aux gens aujourd'hui, c'est difficile. Ni vile mutaona tuko na kigumu kuambia watu kuwasemezea maneno ya imani. Si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Kama tuchasio na Roho Mtakatifu. Il nous sera difficile. Itakuwa kigumu. Puisque tous les mots nous les trouvons sur la terre ici. Kwa sababu maneno yote mubaya tutaikuta pa dunia. Tous les mauvais caractères nous les trouvons dans notre ville ici. Matabia yote ya mubaya tutaikuta ndani ya mji huyu. Voyez d'abord comment est-ce qu'on vivait la fois passée et aujourd'hui, c'est différent, en tout cas différent. Angalia vile tulikuwa tuko naishi wakati ya zamani na leo iko tofauti. Le caractère que nous avons ici. Le caractère que nous avons. Ma tabia hiyo tunayo. Témoigne le monde. Inakuwa ya dunia. Alors Absalom s'est permis comme lui, il était rempli de charme, lui avait, il était compris de tous les gens. Alors il s'est permis d'aller au-delà. Sawa vile Absaloni alikuwa mwenye kupendezwa na bantu bote, ndivile alijiruhusu kwenda mbali zaidi. Il a commencé à persuader Israël. Anaanza kuita na kuhakikisha Israeli. Combien de fois le monde nous persuade même nous? Malangapi ulimwengu iko na tukokota tasie. Nous sommes toujours malléables. Donc nous sommes en train d'accepter tous les caractères que le monde nous impose ici. Tuko na chikuta tayari ya kuitika matabia yote ulimwengu itatupanesha. Quand on ne vit pas une vie de Dieu, on traîne ses cheveux sur la terre. Kama atuishi maisha ya Mungu, maana yake tunaacha nywele yetu inakokota udongo. Quand on ne sait pas conseiller les gens, on appelle les gens à la révolte, c'est-à-dire on traîne les cheveux sur la terre. Kama atujui kushauria batu kuwapatia njia ya boku geuka ni kusema tunakokota nywele yetu pa udongo. Les gens qui nous regardent remplis du Saint-Esprit. Bantu ambao banatutazama na ujasiri na Roho Mtakatifu. Ils vont dire que à nous nous avons la folie. Batasema ndani mwetu tuna upumbafu. Ce n'est pas la sagesse. Maana haina hekima. Notre intelligence ne viendra pas de quelqu'un. Akili yetu haitatoka kwa mtu. Notre intelligence ne viendra pas de ce monde. Akili yetu haitatoka ulimwengu hii. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Kumbe alifanya nini? Comme il avait la confiance du monde. Vile alikuwa na matumaini ya ulimwengu. Comme tout le monde était
à ses côtés. Il a trouvé que son père David n'avait plus encore de monde avec lui. Alors il s'est dit, je vais le remplacer. La manière de le remplacer, c'est de lui faire les combats. Il a engagé des militaires. Pour combattre son papa. Je vais combattre son papa. Et son papa se dit. Na baba yake anasema. Écoutez peuple de Dieu. Si quelqu'un fait la. Peut-être il y a dans une situation embarrassante. Ça signifie que quand tu as unapitisha maisha ya nguvu. Et peut-être tu es déjà au bout de tes forces. Ça signifie que mwisho ya nguvu yako. Quand David a su que son fils propre veut maintenant l'attaquer, il a commencé à fuir. Wakati Daudi anasikia sema ni mwana wake kuzizalia anaanza kumkombanisha kianza kimbia. C'est la vie de la terre. Maana hiyo ni maisha pa dunia. Quelquefois c'est difficile pour nous. Mara nyingine ni kigumu kwetu. Quelquefois on se dit même pourquoi est-ce qu'on a cru? Mara nyingine tunasema kwa nini tuliamini? Quelquefois on voit même la foi c'est une folie pour nous. Sasa nyingine tunasema na imani ni upumbavu kwetu. Tu te poses beaucoup de questions. Unajiuliza maswali mengi. Tu vis une situation difficile. Uko unapitisha maisha ya kigumu. Tu vas même dire je vais quitter la ville pour au village. Pale unasema acha nitoke tu na mtau niende ku kijiji. Écoutez peuple de Dieu. Si gani taifa la Mungu. C'est comme ça sigla terre. Ni vile pa dunia. Dieu n'est pas venu pour nous donner la paix mais l'épée. Mungu akuwea kutupatia amani lakini kwa kutupatia mupanga. Effectivement c'est difficile. Na bia kweli ni kigumu. La vie spirituelle et la vie physique c'est différent. Maisha ya kiroho na maisha ya mwili iko tofauti. Je vous assure. Na wakikishi. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Kama mnachaswa na Roho Mtakatifu. Si l'esprit de Dieu est en toi. Kama Roho Mtakatifu iko ndani mwako. Même la vie physique si. Hata maisha hii ya chini. Va te suivre au nom de Jésus. Itakufuata. Puisque tu auras un mot à dire sur ta vie. Maana utakuwa na msemo ya kusema pa maisha yako. Tu auras un mot à dire sur tes enfants. Utakuwa na msemo ya kusema pa watoto yako. Tu auras un mot à dire sur ta femme. Utakuwa na msemo ya kusema pa mume wako na mke wako. Alors c'était difficile. Kumbe ni kigumu. C'était la folie pour David. Ilikuwa ni upumbavu kwa Daudi. Son fils propre. Kuona mwana wake wa kulizalia. Le fruit de ses entrailles. Mwana wake wa mtumbo yake. Des fois comme ça que nous sommes. Et nous avons des problèmes comme ça avec nos propres fils et nos propres filles. Ni vile tunakuwa na mambo na batoto yetu bale tulizalia. Emballé par la folie du monde. Benye kubebwa na upumbafu wa dunia. Quelquefois les enfants nous mettent devant un fait accompli. Mali ingine batoto yetu banatufikisha mbele ya mambo. Tu te poses beaucoup de questions. Tunajiuliza maulizo mengi. Si nous sommes pas remplis du Saint-Esprit. Na kama tunabeguzaswa na Roho Mtakatifu. La chose va continuer toujours comme ça. Maneno itaendelea paka vile. Quand la chose continue. Kama maneno inaendelea. Il n'y aura pas de résultat. Atutakuwa na matokeo. David. David lui qui était réconcilié avec Dieu. Daudi ule alikuwa mwenye kufa upatanishi na Mungu. Il a dit. Alisema. À ses commandants qu'il avait. Anasema na wajeshi alikuwa na. Il en avait trois commandants qu'il a établi. Alikuwa na majeshi tatu. Il y avait Joab. Yoab. Il y avait Abishai. Kulikuwa Abishai. Et il y avait aussi Itai. Na kulikuwa Itai. Il les appela et dit, écoutez. Anawaita na wambia sike. C'est pour mon iniquité. Que Dieu a suscité mon fils pour me chasser du royaume. Sa sengene ni kwa chili ya zambi zetu njoo bwana analamusha mwana wangu anipiganishe. Ils ont dit non, ne t'en fais pas. Anasema hapana usi. Ne t'en fais pas. Usifasaike. Nous allons monter. Tutakuta. Une armée contre lui. Tutapanga jeshi. Eh, on a monté une armée. Na malipanga jeshi. Eh, maintenant c'était le temps de bataille. Sasa ilikuwa wakati wa kupigana. Sikieni taifa la Mungu. Dans ce monde ici. Katika ulimwengu hii. C'est un monde de bataille. Ni ulimwengu wa mapigano. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Kama una moyo kujaswa na Roho Mtakatifu. Tu vas combattre qui? Utapigana na nani? Puisque le diable même est spirituel. Maana shetani mwenyewe ni wa kiroho. Les choses spirituelles que nous avons ici. Maana vitu vya kiroho tunavyo. Ce ne sont pas combattre contre la chair. Aina vya kupigana na mwili. C'est pour cela nous pleurons beaucoup dans nos maisons. Ni vile tunalia mingi mu manyumba. C'est pour cela nous lamentons beaucoup. Ni vile tuko na tompola sana. Nous disons où est Dieu? Tunasema Mungu yuko wapi? Quelquefois quand on s'enferme dans la maison on pleure même. Maana nyingine tunajifungia manyumba na kulia. Il y a des gens qui regardent une femme qui regarde son mari, il pleure, c'est quel batikan ya mubaya pour tomber sur cet homme comme ça. Utaona ta bibi eko nalia mu nyumba nasema mimi nilijikualaka kunini njoo nipate huyu bwana. La femme aussi l'homme aussi de la même façon avec sa femme. Bwana na yeye paka vile na bibi yake. Alors, dans ce monde ici, katika ulimwengu, il y a beaucoup de folie. Muna upumbafu wingi. Alors, ce jour-là, na ile siku, la Bible déclare, Biblia iko nasema, que Absalom était monté sur un mulet. Ya kama Absalom alipanda pa mlima. Un mulet punda. Alipanda pa mpunda. Alors, le mulet c'est quoi? C'est un animal. Ni mnyama. Dieu n'a pas créé le mulet. Mungu asikuumba mwana mpunda. Le mulet, c'est-à-dire, c'est quoi?
c'est un mélange. On a couplé le cheval avec l'âne, avec une ânesse. Ule mwanampunda ni ule alitoka kufarasi na âne. Donc c'est hybridé. Ni mchanganyiko. Le peuple de Dieu. Sikende ifala mungu. Dans ce monde ici. Katika ulimwengu huu. Nous avons aussi des gens qui sont hybridés. Tuko na bantu beko na mwenye kuchanganyikiwa. Alors ces gens là. Na bale batu. Ils ne sont ni de Dieu. Abana ba mungu. Ni du diable. Awa ba shetani. Ils sont humiliés. Beko katikati. Alors, on a dit il était monté sur ces milliers là. Na bana, Biblia inasema alipanda tu ya ule mwana mpunda. Il est monté sur les milliers. Alipanda tu ya ule mwana. Tusha kwenda kupigana. Écoutez. Alors Absalom se trouva en présence des gens de David. Na Absalom akajikuta mbele ya batu ya Daudi. Il était monté sur les milliers. Alipanda tu ya mwana mpunda. Un millier n'est pas connu de Dieu. Mwana mpunda ajulikane na Mungu. Un millier, cela signifie un comportement étrange. Ule mwanampunda inakuwa ni tabia ya kigeni. Ile Mungu ashikubali. Vivre le vol. Kuishi bwizi. C'est monter sur les milliers. Ni kupanda juu ule mwanampunda. Vivre l'impudicité. Kuishi busharati. C'est monter sur les milliers. Ni kupanda juu ule mwanampunda. Tromper les candidats, les candidats députés ici. Vous montez sur les milliers. Kudanganya wale ambao wewe unakuwa ba kandida huko na bawili na batatu ni kupanda juu ya mwana punda. Combien de gens quand on va se séparer si se séparer si ils ont encore des rendez-vous avec les députés. Bantu ngapi leo tukitoke tu hapa bengine na kumambolesa pata fika hako moya atakuwa kukawama mwingine atakuwa pasambia kufuata ba députés. Quand on retourne là-bas. Kule kama anamupa kule. Il court encore. Anakimbia tena. Tuko na député mkatoba atakuya leo. Na yeye. Il part là-bas. Unaenda huko tena. Mungu asijue bila kunafanya. Vous montez sur des milliers. Uko napanda tu mwana mpunda. Et pourtant nous. Na pale sisi. Les milliers. Mwana mpunda. C'est un esprit d'attaque. Ni roho ya kushambuliwa. C'est un esprit de guerre. Ni ile pepo ya vita. Alors, le diable nous combat comme ça dans nos caractères. Ni vile shetani anatupiganisha matabia yetu. Quand on ne vit pas d'une vie une bonne vie dans la maison ou dans l'église, vous êtes monté sur un millier. Kama auishi maisha inayostahili mu jamaa au mkanisa huko mwenye kupanda pampunda. Si vous avez encore des concubins ou des concubines ici, tu es monté sur un millier. Kama huko na bahabala ni kusema huko juu ya mwana mpunda. Notre côté n'est pas de ce côté ici pour monter sur un millier. Notre côté est de l'autre et de là pour monter sur un cheval. Sisi hatuna bahi ngambo sababu ya kupanda juu ya mwana mpunda. Sisi tuko ba ngambo ya pili ni juu ya farasi. Alors David a dit. Na Daudi anasema. Quand vous allez combattre Absalom. Kama mutapigana na Absalom. Ne le tuez pas. Mushimuwe. Parce qu'il était son père. Mkasababa alikuwa baba. Amenemwa mon fils en life. Muniletee mwana wangu mwenye kuishi. Donnez-moi mon fils. Il faut pas le tuer. Muniletee mwana wangu mushimuwe. Alors ils sont partis dans les combats. Bakaenda kuvita. Et quand l'armée de David était la plus forte maintenant. Na wakati jeshi ya Daudi ilikuwa ya nguvu. Absalom a voulu se tourner fuir maintenant. Absalom alitafuta kukimbia. Et quand il voulait fuir, wakati alitaka kukimbia, Biblia inasema, comme il avait de longs cheveux. Vile alikuwa na nywele mrefu. Écoutez peuple de Dieu. Sikieni wa taifa. N'ayez pas de longs cheveux. Hapana kuwa na nywele mrefu. Quand vous avez de longs cheveux. Kama uko na nywele mrefu. C'est votre propre intelligence. Ni akili yenu mwe wenyewe. C'est votre propre connaissance. Ni ufahamu wenu wewe wenyewe. Il y a des gens ici. Kuna watu hapa. Your propre intelligence. Weko na akili yao wenyewe. Ils ne veulent pas entendre ou comprendre ou écouter la parole de Dieu. Abapende kuelewa kusikia neno la Mungu. Le temps que nous sommes en train de parler comme ça, ils s'endorment. Wakati tuko nasema hivi. Bao beko na zinzia. Ne suivez pas. Abafuate bitu unasema. Le diable les empêche pour ne pas échapper à sa colère. Shetani yako na basuisa bashiepuke kasirani yake. Parce que le diable ne donne pas la paix. Maana shetani aleteke salama. Il ne donne que la colère. Analeteka mpaka kasirani. Il ne donne que l'échec. Yeye analitaka pa kushindwa. Alors il voulait fuir. Kumbe alitaka kukimbia. Il voulait fuir. Alitaka kukimbia. Et quand il voulait fuir, il s'est tourné. Na wakati alitaka kukimbia legeuka. Avec des branches entrelacées. Le terembe ile miti ilikuya na matawi yenye kusambaza. Il y a des fois peuple de Dieu. Kuna mawakati nyingine taifa. Quand nous regardons les païens ici, nous commençons à les envier maintenant. Kama tunaona bapagano hapa tunaanza kubatamania. Et nous disons ils vivent bien. Oh, beko naishi mzuri. Voilà comment qu'ils mangent. Angara vile beko nakuria. Voilà comment qu'ils s'habillent. Angara vile beko navala. Voilà comment qu'ils font ça. Angara vile banafanya hivi. Écoutez. Sikieni. Quand nous commençons à emboîter les pas.
Kama tunaanza kuingisha mukulu poursuivre les païens, juu ya kufuata wapagani, poursuivre comment est-ce qu'ils sont en train de vivre, juu ya kufuatilisha vile ndio naishi, c'est avoir des longs cheveux, ni kuwa na nywele mrefu. Donc peuple de Dieu, taifa la Mungu, les cheveux que nous avons, nywele tunayo, c'est qui nous donne la sagesse, ile on a pas c'est seulement la parole de Dieu, ni paka neno la Mungu. Nah. Si nous voulons emboîter les pas de ce monde ici, kama tunatafuta kuweka mukulu mulimwengu hii, nous aurons une vie difficile. Tutakuwa na maisha kigumu. Alors David s'est trouvé en difficulté. Daudi anajikuta maisha kigumu. C'était une folie. Kwake ilikuwa ni upumbavu. Et alors, na sasa, il voulait maintenant fuir. Alitaka kukimbia. Terembete si comme il avait des branches entrelacées. Terembete vile ilikuwa na matawi yenye kuanguka. A saisi. Il ishika. Seulement les cheveux d'Absalom. Ya Absalom. Alors le millet est passé. Le millet est passé. Na ule mwanampunda na pita. Absalom est resté suspendu. Na Absalom alibakia juu. La Bible déclare. Biblia nasema. Il était suspendu entre le ciel et la terre. Alikuwa mwenye kubambiwa kati ya mbingu. Il n'avait pas les deux pieds sur la terre. Asikukua na miguu pa dunia. Ni sa main n'a pas touché le ciel. Au mkono yake kugusa mbingu. Écoutez peuple de Dieu. Sikia taifa la Mungu. Reste que tu souffres aujourd'hui. Acha uteseke leo. Et il y aura quelqu'un. Lakini kutakuwa mutu. Terembete. Il va saisir l'ennemi. Il est shika adui. Chaque fois que nous voyons l'ennemi, nous tremblons. Kila mara tunamwona adui tunatetemeka. Chaque fois que nous avons des difficultés, nous pleurons. Mais kila mara tuko na magumu tunalia. Et pourtant, na pale. La cause était noble si. Na saba majambo hapa iko jambo la kawaida. Le problème était difficile pour David. Mambo ilikuwa kigumu kwa Daudi. C'est comme ça aussi que ton problème est difficile. Ni vile na wewe mambo yako iko kigumu. Tu te poses beaucoup de questions. Unajiuliza maulizo mengi. Tu vois que la joie n'est pas dans ta maison. Unaona kusema furaha ina munyumba yako. Écoutez, peuple de Dieu. Si enta ifala Mungu. Il y a quelqu'un. Kuko mtu moya. Je crois ici. Mimi naamini hapa. Quand Absalom avançait, il a dépassé cette repente. Wakati Absalom alikuwa yuko na endelea ritambuka. Il ne savait pas que ce bois ici va me retenir. Ashikuyo kusema hiyo michi itamushika. Il est passé pour aller combattre. Alipita kwenda kupigana. Là, il y a eu des troubles maintenant, il a retourné. Anafika kule kuna kwa mvuruko nguvu na mshina anarudia. Il ne savait pas que cette repente va le saisir. Ashikuyo kusema hiyo terembete itamkamata. C'est comme toi aussi. Ni kama na wewe. Est-ce que tu peux souffrir aujourd'hui? Acha uteseke leo. Mais demain. Lakini kesho ne souffrira pas. Autateseka. Le Seigneur. Kwa sababu Bwana. Va saisir l'ennemi. Atamushika adui. Si nous croyons à ça. Kama tunaamini kwa hiyo. Ne pas trembler. Atutatetemeka. Si nous croyons à ça. Kama tunaamini kwa hiyo. Ne pas les difficultés en train de traverser maintenant. Atutashituka magumu ambayo tunaishi leo. Il y a des gens qui se regardent et se minimisent. Kuko watu kama anachangalia anajibeula. Il y a des gens qui ne voient sa vie se dit pourquoi est-ce que tu m'as créé Seigneur. Kuko watu kama anangalia maisha yake anasema Mungu ni nyumba nchi ya nini. D'autres personnes. Kuna bengine. Quand il regarde que le temps déjà dépassé, c'est est-ce que vous allez me prendre encore à mariage? Kama naona tu miaka na kwa ya mingi na sema eti mimi nitaoa. Le terebente si c'est Jésus. Terebente hii ni Yesu. Il n'est même pas avant. Ana mbele. Il n'est même pas derrière. Ana ta nyuma. Il est planté sur un lieu qui suffit. Lakini eko mwenye kutiliwa pahali ambao paneneana. Tu souffriras. Sikia ni utateseka. Demain. Lakini kesho. Après demain. Ao kesho yake. Dieu va rehausser encore ta vie. Mungu atainua maisha yako. Souffre aujourd'hui mon frère. Teseka leo ndugu. Souffre aujourd'hui ma soeur. Teseka leo dada. Mais terebente là. Lakini kesho. Alors l'ennemi a été appréhendé. Adui batakuwa basha kumushika. Quand il a été appréhendé. Wakati alishikwa. Et maintenant quelqu'un est parti dire à Joab. Na sasa mtu maenda kumambia Joab. J'ai vu Absalom. Mina mwona Absalom. Il a été suspendu au terebente. Eko mwenye kubambwa kuile michi. Joab a dit pourquoi tu n'as pas frappé? Joab anasema kwa nini hukumpika? Le roi a dit. Asema mfalme alisema. Le roi a dit. Mfalme alisema. Doucement avec mon fils. Asema pole pole. Alors ils ont dit non. Na mwana wa. Asema ule ni adui. C'est l'ennemi. Ni adui. Ils ont pris la lance. Balibeba mukuki. Ils sont allés planter dans le corps d'Absalom. Banaenda kuchoma mumwili Absalom. Et Absalom était mort. Na Absalom alikufa. Écoutez peuple de Dieu. Sikenda ifala Mungu. Ne suis pas la folie de ce monde ici. Apana kufuata upumbafu wa hiyo ulimwengu. Cette folie aussi va nous perdre. Hiyo upumbafu itatupoteza. La folie que les gens sont en train d'observer en nous. Lakini upumbafu ile bantu wao wanaangalia ndani mwetu. Ce n'est pas une folie. Haina upumbafu. C'est la sagesse. Ni hekima. Ce n'est pas une folie. Haina upumbafu. C'est la réussite. Ni kuweza. Ce n'est pas une folie. Haina upumbafu. C'est la bénédiction. Ni kunyanyuliwa. Tu seras béni au nom de Jésus. Utabarikiwa mjina la Yesu. Parce que tu as crié la folie de Dieu. Sababu uliaminia kupumbafu wa Yesu. Il a dit la folie de Dieu. Anasema upumbafu wa Mungu. Mais en confusion. La sagesse des gens. Ni ile kuna furuka hekima ya watu. C'est pour cela peuple de Dieu. Ni vile taifa la Mungu. Il faut avoir la foi. Tunapasha kuwa na imani. Il faut voir
plus loin. Tu n'as pas ça qu'on en bas. Si aujourd'hui nous souffrons, Kamaleo, il y a quelqu'un qui va ôter notre souffrance. Si ta vie hier a fui. Kama, si David pleurait encore quand il fuyait là, il pleurait, disent peut-être c'est une sanction que Dieu m'a donné, m'a affligé. Il ne savait pas que ce que Dieu lui réservait. Quand la chose était terminée, wakati yo maneno ilimalizika, David revenait encore dans le royaume. Daoud anarudia katika ufalme. Il était encore roi. Ali endelea kuwa mfalme. Et le peuple revenait encore à lui. Na taifa walirudia kwa. Écoutez. Sikieni. Il faut pas encore voir peur. Apana tena kuwa na oga. Vous tremblez quand le diable vient. Kutetemeka kama shetani anakuja. Puisque notre folie ici. Maana upumbavu wetu. C'est la sagesse qui nous donne toutes choses. Ni hekima ile inatupatia kila kitu. Ni vile taifa la Mungu. Aujourd'hui. Leo. Nous allons confondre le diable. Tutamfurugulika. Moi j'aimerais que vous puissiez vous lever. Mimi napendelea mshimame. Priez avec moi. Tuombe pamoja. Qu'il y ait confusion. Kuhusu kuwe mfuruko. Plusieurs jours vous avez pleuré. Maana masiku ya mingi tulilia. Des fois quand tu te regardes même quand tu t'aimes même tu te dis non je suis. Mara ngapi kama unajiangalia au unajibeula na kujibeula. Il y a d'autres qui s'aiment, se disent on va me prendre moi en mariage. C'est possible. Kuna bengine anajiangalia na sima mie nitaolewa tena binawezekana. Quand tu regardes tes enfants, tu te dis umu mtatoka tu ministre umu c'est possible. Kama unaangalia batoto yako asema na mie umu batoto yangu mtakuwa katu mtu wa kabaila binawezekana. Que l'Éternel prenne au piège nos ennemis. Ah wa milele abambe baadui betu. Ils nous ont poursuivis. Bali tufuata. Ils ont voulu notre mort. Bali tafuta kutuua. Ils ont voulu notre maladie. Bali tafuta magonjwa yetu. Et nous souffrons à cause de. Na chetu teseke kwa ajili yao. Ça sera fini au nom de. Leo ni kumalizika kwabo. Il y a un terebent. Maana kuko terebent. Qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Inaitwa Yesu Kristo wa Nazareth. C'est lui qui l'a saisi. Ni yeye alimshika. C'est lui qui l'a saisi. Ni yeye alimshika. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a appréhendé mais le terebent l'a appréhendé. Akukukua mtu yule aliweza kumshika lakini ni ile miti ilimbamba. C'est comme ça que Dieu prendra nos ennemis. Ni vile Mungu atabamba baadhi yetu. Ne pleure pas encore. Ushilie tena. La folie de ce monde ici. Ufumbafu wa hiyo ulimwengu. Ne pleure rien. Haitafa kitu. Laisse que les sorciers commencent. Acha balozi banji. Ils seront pris. Atashikwa na terebent. Laisse que les charlatans commencent. Acha bachawi wanzie po. Laisse que le moqueur commence. Acha batu wa kuchekelea. Si Dieu va se venger. Wakati Mungu ya miaka ilipa sasa. Nous ne trompons pas. Abatajua. Ils seront pris au piège déjà. Batashikwa mu mtego ya shetani. Et cela au nom de Jésus. Alors peuple de Dieu. Taifa la Mungu. Ne regarde pas sur ta souffrance. Angalia hapana kuangalia kwa mateso. Ne regarde plus encore sur tes difficultés. Ushangalie tena kwa magumu yako. Ne regarde pas encore aux indices qui te ronge le cœur. Ushangalie tena kumaalama ile iko naleta uchungu kumoyo. Ne regarde plus encore à ta pauvreté. Ushangalie kumumaskini bwako. Ne regarde plus encore à des problèmes sur problèmes. Ushangalie tena pa mambo ile iko naonekana sa mambo yulu ya mambo. Interrompente placé pour nous. Tarambate moyo iko hapo chini. Kama nous allons prier. Wakati tutaomba. Et que le diable commencera à fuir. Wakati shetani anaanza kukimbia. Sera pris dans les terrebentes, c'est là au nom de Jésus. Atashikwa muterebente mchana leo. Je lève la voix. Napendelea uinue sauti. Seigneur. Sema na Bwana. Fini mes difficultés. Kuna malizika magumu yangu. Fini ma souffrance. Kuna malizika mateso yangu. Fini mes maladies. Kuna malizika magonjwa yangu. Fini mon échec. Kuna malizika kushindwa kwangu. Fini toutes choses. Kuna malizika kila kitu. Kina choma moyo wangu. Yes, c'est là au nom de. Tutaomba vile mchana la Yesu. Prions. Omba tuombe jina la Yesu. Yetu pisha katika jina lako Yesu. Hakika Bwana. Mchana wa leo kuna malizika. Kukilio kyangu kuna malizika. Kumachozi ambayo inatoka kumoyo wangu kuna malizika. Kumagumu ambapo Bwana inaendelea kugawia maisha yangu kuna malizika. Kuna malizika Bwana. Kukukosewa ambapo kuko naonekana.